Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Space Ingénieur. Donc la dernière fois on avait fait donc le vaisseau de transport. Donc on peut voir ici qu'il y a deux trois petites choses que je vais pas pouvoir construire car il me faut quelques ressources. Mais je pense qu'on va pouvoir au moins sortir de la planète et se mettre plus ou moins assez loin pour pouvoir commencer à construire notre base. Par contre, j'ai reçu quelques messages. C'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est des choses qui est vachement important. C'est des toiles de défense. Les toiles de défense, j'en ai pas mis une seule. Et si jamais je croise un vaisseau de pirates, et on va être un petit peu dans le caca parce que j'ai aucun moyen de me défendre. Donc ça va être réglé, je pense, pour cet épisode-là. On va essayer de faire donc des tourelles. Ensuite, il me faut aussi d'autres générateurs d'oxygène. Alors c'est vrai que les générateurs d'oxygène, j'avais déjà pensé à en remettre plus pour que ça aille un petit peu plus vite côté stockage d'oxygène, enfin d'hydrogène, pardon. Donc c'est vrai qu'on va le faire. Et vu que je vais quand même avoir de l'oxygène, je pense aussi de mettre directement ici un truc d'oxygène. Je pense que si je connecte un machin ici, je peux peut-être avoir de l'oxygène. Donc on va voir si on peut pas un petit peu modifier deux trois petites choses pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on va commencer par, je pense, installer le générateur d'oxygène. Donc, on va déjà enlever tout ça. Voilà. Alors, je sais pas trop combien je vais en mettre, hein. Je pense que je vais en mettre jusqu'au bout là-bas. Donc, à voir combien je peux en faire. Puis au moins comme ça montre un petit peu qu'est-ce que j'ai construit dans la coque en fait du vaisseau. Voilà, ok. Oula. Donc ça c'est le générateur. Et donc là j'ai deux stockages en fait j'ai deux stockages ici de grands conteneurs. Alors, je me demande, est-ce que un grand conteneur suffirait pas à prendre toutes les ressources que je voudrais prendre? Donc j'hésite encore. Est-ce que je laisse un grand conteneur et je mets un autre conteneur d'hydrogène? Je sais pas. Pour l'instant, on va tester avec deux conteneurs. Si jamais je vois que les ressources que je veux prendre avec pour créer notre base. Si je vois qu'un grand conteneur suffit, on mettra un seul conteneur d'hydrogène, deux conteneurs d'hydrogène et un conteneur pour stocker des ressources. Donc là, il me faut. Ouais, il me faut le générateur d'oxygène. Tac. Alors, comment je vais l'installer par contre? Tac, je vais l'installer comme ça. Je vais en mettre beaucoup, mais c'est pas très grave. Ouais, il y a juste ici que je pourrais pas en mettre, donc on va mettre un bloc. Voilà. Et là, il me faudra ordinateur, moteur, grand tube, composant. Ok. Ouais. Tac. Alors. Donc. Composants, ordinateur, des grands tubes, voilà, grand tube, composants, ordinateur, grand tube et quelques moteurs, je crois. Je crois que j'ai le compte, j'en suis pas sûr. J'espère juste que j'ai pris assez de ressources pour les faire. 50 moteurs. Ouais, ça devrait être bon. Je pensais avoir assez de plaques d'acier. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais
en récupérer. Tac. Est-ce que ça me suffira? Des plaques d'acier, j'en suis pas sûr. Je vais en reprendre un peu pour être sûr que j'en ai assez. Parce que 200, je pense pas que ça suffira. 200, c'est combien pour où? Oula. Hop. C'était combien? 110. Ouais, même sans. Je peux en faire deux. Ouais, c'est bon. J'aurais eu à peu près le compte. Voire un peu moins quand même. Ok, super. Donc là, c'est connecté. Donc, est-ce que. Ouais, comme je le. Comme on peut le voir ici, il me le fait pas. Par contre, j'aurais voulu. Ah bah, ceux-là ont été mis à l'envers. Ah, c'est pas cool. Je vais les enlever parce que je veux quand même pouvoir regarder à l'intérieur. Je vais quand même pouvoir regarder à l'intérieur, donc on va les enlever. Tac. Voilà. 9. Je pense que comme ça c'est bon. J'arrive à le tourner. Super. Voilà. Bon, après on changera de couleur, hein, ça c'est sûr. Mais pour l'instant on va faire comme ça. Ok, super. Bon, on peut voir ici en fait qu'il n'a pas de glace parce que toute la glace a été stockée ici. Et d'ailleurs, j'en ai presque plus. Donc, ouais, on va faire une petite éclipse vite fait que je puisse chercher de la glace. Et je vous reprends dès que j'aurai fait vraiment le plein du transporteur. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, donc voilà un petit peu combien de glace je viens de récupérer. À peu près 200 000, voire beaucoup plus d'ailleurs. J'en ai pris vraiment énormément pour remplir le truc. Donc, on va se connecter. Tac. On va sortir maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne côté générateur d'oxygène. Donc là, ça, on en a pris 100 000. Voilà. Et là, je crois que j'en ai pas par contre. Ah si, j'en ai encore un petit peu. Ok, super. Bon, avec ça, ça ira, je pense, très très vite. On va voir vite fait On va vite fait regarder pour voir le carburant. Hydrogène. Tank hydrogène. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà, je sais pas trop si ça va un peu plus vite ou quoi. Mais au moins, si ça va peut-être un petit peu plus vite. Bon, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait attention en fait à la vitesse. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on va un petit peu changer deux trois petites choses. Donc déjà, je voudrais mettre un stockage d'oxygène et pour avoir de l'oxygène donc ici. Car je me suis dit bon, on va avoir on va avoir de l'oxygène en bouteille, mais si d'un coup je suis mal barré et que j'ai plus d'oxygène en bouteille, je fais comment? Donc à ce moment-là, je me suis dit ça serait un petit peu limite, je pense. Donc il faudra qu'on modifie un petit peu ici. Alors j'espère que j'aurai cette place parce qu'il faut que je mette aussi la salle médicale. Car c'est vrai, j'ai pas pensé à mettre une salle médicale. Si je viendrais à mourir dans l'espace, comment je fais après pour retrouver mon vaisseau et tout ça? Donc c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé du tout. Et donc faut absolument que j'en mette. Donc on va le mettre dans le coin là-bas. Donc pour ce faire, il faudra qu'on détruise un truc ici. Donc à la rigueur, ça on s'en fout, hein. Le siège là, je m'en fous un peu.
C'était juste pour la déco, mais c'est vrai que bon. Ah, vu que je joue tout seul, j'ai pas besoin d'avoir des sièges comme ça. Et par contre, je pourrais. On va l'enlever ce truc-là. Voilà. Ah, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais. Est-ce que je pourrais agrandir ici, je me demande. Ok, non, je peux pas agrandir. C'était juste par curiosité si je pouvais agrandir. Par contre, il faut que je pense coller. Non, qu'est-ce que je raconte? Il faut que je fasse tout de suite en fait la couleur. Sinon, je pourrais peut-être plus la faire la couleur. Donc c'est une couleur noire, voilà. Voilà, ok. Et on va mettre un truc de stockage quand même. Mais on va le mettre. Là, je pense qu'il devrait pas trop gêner. Alors on va juste regarder. C'est où? Il est où le la salle médicale? Il a été mis où ce truc-là? Ah, là. Tac. Voilà. Alors, il sera mis. On va le poser comme ça, je pense. Plutôt comme ça. Voilà. Ok. Et là, je peux mettre un petit conteneur pour stocker 2-3 petites choses que je pourrais peut-être avoir besoin. Donc, de toute façon, il y aura quand même des choses qui seront connectées, hein. Voilà. Bon, ça fait pas trop classe comme ça, hein. Mais bon, au moins il sera mis. Là-haut, je vais devoir enlever un truc. Donc, je vais devoir enlever celui-ci. J'ai plus de place par contre. J'ai plus de place, donc on va te mettre le gyroscope ici. 8. Tac. Ah non, je peux pas te mettre. Ah zut. Comment on va faire? Je vais te mettre là-haut. Ouais, il me faut des grilles métalliques. Bon, c'est pas très grave parce que je pense que je vais en récupérer ici. À moins que. Yes. Est-ce que je peux te. Normalement, je devrais pouvoir te le. Ouais. Ok. Il y aura une autre porte ici. Car bah forcément, si j'ouvre. Alors que qu'il y a de l'oxygène ici, si j'ouvre la porte, forcément, il y aura un trou d'air et tout ça. Donc ça peut très bien m'expulser de la du vaisseau. Et ça, je voudrais pas. Donc. Comment je vais faire ça alors? Faut que je réfléchisse parce que là il y a une ouverture pour connecter en fait le la salle de la salle de la salle médicale. Donc là il y a une ouverture. Il faut absolument que j'arrive à connecter ça à au convoyeur. Donc d'ailleurs le convoyeur, je pense que le convoyeur lui. Il est connecté ici. Ok. Ouais, le convoyeur est connecté ici. J'ai peut-être une autre idée encore. J'ai peut-être une autre idée. Voyons voir si c'est possible. Si je mettrais ma porte ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une porte ici.
Voilà. À la place, il y aura la porte ici. Les portes, ils sont ici. Voilà. Tac. Comme ça. Voilà. Des affiches, c'est pas très grave. Voilà. Et ce truc-là, faudra que je l'enlève, le gyroscope, j'ai pas le choix. Je te remets ça là. Voilà. Là, je mettrai un générateur, pas un générateur, pardon, un stockage de... mince, j'ai plus de ressources. J'ai plus de place. On va faire ça tout de suite. Non, on va plutôt l'installer tout de suite. Ça sera plus simple. Le gyroscope, je l'ai déjà en place. Tac, donc il sera mis là-haut. Voilà, tac. Et je construis le reste. Voilà. Je récupère ça. Ok. Ensuite, je te mets donc le stockage d'oxygène. Enfin, le réservoir d'oxygène. Qui sera mis. Ah oui, c'est vrai, j'ai les lampes. C'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir les enlever. Ceux-là aussi. De toute façon, ils seront remis, mais pour l'instant, il me faut la place. 8. Non, c'est pas 8. Je te mets comment? Est-ce que je te mets comme ça? On va te mettre comme ça. Et là, il me faudra des ressources. Ok. Là, je te mets... Je te mets. Normalement, de toute façon, normalement tout est relié, donc ça devrait marcher après. Transport de blocs. Voilà. Je te mets mon connecteur. Tac. Je te prends ça. Ouais, c'est ça. Convoyeur. Je te le reconstruis. Petit tube, j'ai pas de tube. Donc on fait comme ça, je gagne un peu plus de temps en faisant comme ça. Tac. Là je te mets un convoyeur. T'es où? 6. Là je te mets des tubes. Tac. Tac. Est-ce que je peux te les faire? Des petits tubes, là, il me faudra des grands tubes, petit tube, grand tube, ok. Là, je vais te mettre tous les blocs. Je vais mettre un truc comme ça. Ça prend de la place, hein. C'est vrai que ça prend de la place. Ouh, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop ce truc là. On va l'enlever. Là ça dépasse un petit peu trop. Déjà là je trouve que ça passe. Que ça dépasse vraiment de trop. Mais si je mets encore ça devant, ça va trop dépasser. Donc je vais l'enlever. C'est pas très grave hein, parce que de toute façon on en aura quand même besoin. Mais il sera mis ici plutôt. Voilà. Dans tous les cas il sera mis ici. Voilà, donc j'ai vu, j'y manque quoi donc? Des petits tubes, des grands tubes et des grilles métalliques. Ok. Donc on va chercher ça. Alors, tac. Alors, petits tubes. Des grilles. Alors. Des petits tubes. Et des grands tubes. Ah, je crois que les grands tubes, j'en ai pas. Si.
pour en prendre 20 parce que je sais pas exactement combien qu'il m'en faudrait. Tac. Alors, c'est vrai que l'autre fois, sur un des épisodes, je voulais aussi construire moi ma foreuse en fait pour forer dans l'espace. Et en fait, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je peux pas la faire en fait. J'ai pas les ressources adéquates pour faire les propulseurs. Donc ça sert à rien du tout de pouvoir pouvoir les faire en fait. Voilà, super. Et là, normalement, ça devrait augmenter. Ça devrait marcher. Ah, c'est vrai que j'ai encore cela à faire. Ah, zut. Par contre, toi. Ah ouais, toi, il te faut un max de choses. Ah, et super. Et ça marche. Ok, donc ça, c'est cool. Donc là, il me faudra encore d'autres petits tubes. Alors, des petits tubes. Donc pas de beaucoup, on va t'en prendre. Bon, je vais t'en prendre 100. Je vais te reprendre des grands tubes. Après, il me faut des composants pour... Il me faudrait des composants pour ça. Voilà, est-ce que... Je vais t'en prendre 300, voilà. Et les composants médicaux, qui est vachement lourd, donc je vais devoir revenir en chercher. Voilà. On se met en place, hein, on se met en place pour pouvoir sortir de la planète. Donc composants, affiches et grilles métalliques. Ok, composant, affiche et grille métallique. Tac, je te vide tout ça. Ça, par contre, j'en suis pas sûr, mais je vais te garder quand même. Alors, donc, grille métallique. Les composants médicaux. Ils sont où? Déjà, ils sont là. Je veux pas... En fait, les trucs médicaux prennent énormément de place. Oh, ils sont super lourds. Moi, je vais devoir faire plusieurs voyages. C'est pas grave. Oups. Bon, heureusement que je suis pas mort. On va refaire vite fait le plein. Est-ce que j'ai un peu de glace sur moi? Non, j'ai pas de glace. Zut alors. Je veux pas pouvoir faire le plein d'hydrogène. Je peux pas. Ah bah mince alors. C'est bête ça. Normalement j'ai de l'hydrogène. Je dois avoir un peu d'hydrogène là-dedans, non? Je pense, on va voir si je peux pas remplir mes bouteilles. Non, je pense pas que je peux remplir mon hydrogène en fait sur ça. Je peux peut-être remplir mon hydrogène là-dedans. Même si j'ai pas de... Non, je peux pas. Je vais devoir aller chercher de glace un petit peu. Donc c'est bête, mais bon, j'ai pas le choix. Récupérer ça pour y aller. Ça ira un petit peu plus vite, je pense, qu'aller à pied. Tac, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment quand même bien creusé pour récupérer un maximum de glace. Voilà, je veux pas en prendre trop non plus sur moi. Ouais. Ah, zut alors. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'avance.
que je sors d'ici. Bon, on perd un petit peu de temps pour ça, c'est dommage. C'est dommage. Tac. Voilà. J'espère juste que j'aurai assez pour assez de glace pour au moins remplir mes bouteilles. Ouais, c'est bon. Et j'ai plus de place non plus pour prendre mes bouteilles. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme ça. Hop. Vas-y, passe. Allez. Yes. Tac. Voilà. Du coup, composant de construction. Gris métallique affiche. C'est ça? Composants médicaux, j'ai déjà mis. Ok. Ah ouais, c'est que 15 qu'il m'en faut. Ok. Affiche, il m'en faut. Et gris métallique. Ok. Tac. Alors. Affiche, gris métallique. Donc les gris métalliques. Voilà. Affiche, gris métallique. Les affiches, est-ce que j'en ai encore? Non. J'en ai un petit peu ici. Affiche gris métallique, ça c'est bon, je pense que je les ai. Par contre, c'est les composants qu'il me faudrait. Et je crois que lui, j'en ai pas fait. Est-ce que tu peux en faire un petit peu ou pas? Ah non, il a plus du tout de fer pour faire. Ok, bon, bah je sais ce qu'il me faut que je fasse. Donc, je vais devoir aller chercher. Du fer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, faire une petite éclipse 1, 2, 3, petite éclipse pardon, pour zapper que je cherche du fer, et je vous reprends dès que j'aurai que j'aurai fini. Donc à tout de suite. Et re tout le monde, alors vite fait, je vous montre combien à peu près de fer j'ai pris. Donc j'ai pris à peu près la même chose que j'avais pris un petit peu pour la glace. Donc à peu près 200 000, je dirais, voire un peu plus même. Donc c'est parti, hop, voilà. Donc franchement, j'ai eu bien raison de changer un petit peu le style de la foreuse, parce que franchement cette foreuse là est vraiment pratique. Elle a vraiment été bien faite, je trouve. Encore une petite chose, je l'ai mis en couleur, donc j'ai mis en noir. Je l'ai mis en noir et j'ai installé ici deux petits injecteurs, donc un de ce côté et un de l'autre. Et cela me permet en fait de d'éjecter en fait la pierre, qui est très 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 embêtant. Donc voilà. Ensuite, tac. Il est en train de me le faire. Super. Donc déjà, on va récupérer ça. Excusez-moi. On va récupérer ça et on va récupérer donc ça. Ça, quelques trucs comme ça, des plaques d'acier, voilà. Car j'ai dû en fait détruire ceci. J'ai dû détruire ceci en fait pour récupérer les composants de construction pour pouvoir faire mes éjecteurs. Car j'avais pas les ressources qu'il me fallait pour les terminer, donc j'ai préféré faire comme ça. Par contre, je sais plus ce qu'il me fallait là. Voilà, je vais prendre ça. Petit tube. Tac, voilà. Des grands tubes maintenant. Ils sont où? Ils sont là.
attaque. Donc je vais le réinstaller. Après, comme je vous ai dit, hein, j'ai un stockage d'hydrogène ici, mais est-ce que ça va vraiment m'être utile dans ma base? Ça, je sais pas, parce que dans tous les cas, je ne pense pas faire un vaisseau, un petit vaisseau pour faire en propulsion d'hydrogène. Ça sera que pour les grands comme ça. Donc, je sais pas trop si ça va être vraiment très utile. Je préfère faire le plein comme je fais là. Je mets de la glace dedans et j'attends qu'il fait le plein tout seul. Je préfère faire comme ça. Ou alors, je verrai, on fera peut-être autrement la prochaine fois. Donc, affiche et gré. C'est quoi? Gré métallique et affiche, ok. Gré métallique et affiche. Par contre, tac. Je fais ça. Ah ouais, mais non, ça va pas. Il faudrait que on commence à le détacher parce que c'est très gênant quand je veux aller dans le vaisseau pour regarder un truc. J'ai en fait toute la paroi, toute la base avec et c'est très embêtant, je trouve. Donc on le modifiera. Par contre, est-ce que ça il marche? Foire, il fait aussi son boulot. Ok. Alors il me faut ça. Et il me faut, je sais plus ce que c'était. Ah oui, et affiche. Et affiche. Ah, t'es où? Tac, voilà. J'espère que ça suffira. Tac. Super. Ok, donc ça c'est bon. Ah. Voilà, ça c'est bon. Normalement, maintenant, je récupère les ressources qu'il me faut. Super. Et ça va me stocker aussi l'hydrogène. Donc ça c'est cool. Ça va utiliser de l'hydrogène, c'est vrai. Mais bon, le peu que j'utilise, moi, ça devrait pas trop être trop gênant. Alors, on va donc tenter ici d'enlever tous les trucs pour que le vaisseau puisse tomber sur ses pieds. Donc ce qu'on va faire avant ça, c'est de sauvegarder parce que j'ai pas envie de faire de bourde. Donc on va sauvegarder. Voilà. Et on va voir maintenant ce que ça fait si je coupe ici. Normalement, ça devrait aller, je pense. Ouais, comme je le pensais, c'est... Ça va. De toute façon, il y avait le pied qui était connecté. C'est ce que j'avais le plus peur, c'est est-ce que ça marcherait pas. Mais non, ça a l'air de marcher. Par contre, ce qui va m'inquiéter, c'est est-ce que je peux... Car je vois que j'ai construit en fait le pied sous terre. Ça m'inquiète un peu là, on va voir un truc. On va voir un truc. Est-ce que je vais pouvoir le bouger? Je veux voir un truc. Oh punaise, le... Ah, voilà. Ah non, j'ai encore l'écran qui bug. La vue générale qui bug. Ça, c'est vraiment très embêtant. On va activer les propulseurs. Là, on va juste les activer. Oh, mais je crois que j'ai le plein d'hydrogène. Déjà. On va regarder ça après, mais j'ai l'impression de l'avoir le truc d'hydrogène. Alors tout ce qui est train d'atterrissage, on va faire un petit groupe. Est-ce que j'en ai fait un? Non. Ok. On va faire un petit groupe, voilà. Verrouiller, débrouiller. On va plutôt désactiver en attendant. Voilà. Tac. Ouais, je peux pas bouger. Oh punaise, c'est pas vrai.
Je peux pas bouger parce que j'ai mon pied en fait. Quand j'ai construit le pied, j'ai l'impression que le pied il est sous terre, donc je peux pas le construire. Je ne peux pas le construire. Je vais devoir en fait le démonter, je pense. Tac. Voilà. Maintenant, je pense que je peux le bouger. On va voir. Et non, je peux pas le bouger. Oh là, la vue, elle m'énerve. Elle m'énerve, mais grave. Faudra vraiment qu'il règle ce problème de vue là, parce que c'est vraiment très 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 embêtant. Ah, mais c'est normal que je peux pas bouger. Je crois, non? Eh non, je peux pas bouger. Là, on est vraiment mal parce que je sais pas du tout pourquoi il veut pas bouger. Ah bah mince alors. Pourquoi il ne veut pas bouger? Pourtant j'ai fait le plein. Il veut pas du tout bouger. Aïe, alors là je sais pas comment qu'on va faire ça. Je sais pas du tout comment ça va. On va peut-être tester comme on avait fait. Je vais remettre ici des blocs, on va voir. Je vais le reconnecter ici. Ah bah non, il voudra pas être connecté de nouveau. Ah punaise. Franchement, ça m'inquiète. Ah, c'est peut-être ça qui le tient un petit peu. On va le démonter. J'espère que c'était ça qui gênait un petit peu le fait qu'il voulait pas bouger. Ah oui, la vue. Merde encore. Allez, change de vue, s'il te plaît. Ouais, mais même ça, il veut pas. Impossible de changer de vue. Ah, ce bug-là est affreux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne peux pas. Ah, voilà. Je ne peux pas avancer, ni reculer, ni faire quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Ce que je peux faire, par exemple, c'est peut-être recharger la partie et retester une autre manière pour le débloquer, parce que là, franchement, je suis perdu. Donc, je vous reprends après avoir rechargé la partie. Alors, donc, comment qu'on va faire? Donc, je pense qu'on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer le projecteur. Projecteur, est-ce que je l'ai ici? On va le l'activer. Voilà. Techniquement, il a été rallumé, ça devrait aller. Normalement, je devrais pas. Projecteur. Est-ce que je dois choisir un plan ou quoi? Oh, normalement, non. Hein. Le plan doit être. Ça doit être celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever tout de suite les pieds. Tout ce qui pourrait gêner un petit peu. Alors ça, je pense que je vais quand même l'enlever. Parce que je suis un petit peu inquiet. Par contre, j'ai plus de place, donc on va faire un. On va vider tout ça dans la soudeuse, par exemple. Par contre, ouais, je suis très inquiet parce que si j'arrive pas à bouger le vaisseau, c'est que il y a un truc que j'ai merdé quelque part. Ah ouais, donc le plan marche très bien.
Ok. On va allumer les projecteurs. Enfin, les propulseurs, pardon. Donc, on va allumer le propulseur. Tac. Donc, je crois que c'est celui-ci. Ok. Les pieds et le truc là devraient marcher. Maintenant, on va tenter de l'enlever. Techniquement, il devrait plus être, il devrait plus tenir. Là, normalement, il doit pas tenir ici. Donc, normalement, je devrais pouvoir bouger avec. Donc, on va voir ça tout de suite. Tac. Et non, il veut pas bouger. Il veut pas bouger. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il veut pas bouger. Et là, franchement, ça me fout les boules parce que ça prend énormément de temps à faire le plein du vaisseau. Et là, il veut pas bouger. Je sais pas pourquoi. Je vais continuer à lui enlever peut-être cela. Ah, pourtant, je comprends pas. Pourtant, il touche pas. Hein. Je vois pas pourquoi il. Je comprends pas pourquoi il veut pas décoller. Il a le plein, il a tout ce qu'il faut, mais il bouge pas d'un poil. Puis ce bug de fou là, ça commence à me saouler. Ouais, il veut pas bouger du tout. Oh punaise, pourquoi tu veux pas bouger? Je vais éteindre le projecteur. Projecteur. Ben ouais, on va le couper. Ah, ça c'est pas cool. Ça me plaît pas du tout en fait. Que là ça. Ça veut pas marcher. Puis la vue aussi marche pas. Ça me gave. Ah, quand même. Quelques petits freeze aussi de temps en temps. Ouais, le vaisseau veut pas bouger. Alors là, je suis un petit peu perdu, je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas du tout, et c'est très embêtant. J'espère juste que je serai pas obligé de le détruire de nouveau. Ça pourrait être vraiment dommage de devoir le détruire. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être attendre et pour voir si vous n'avez pas une solution. Donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous avez une solution. Ou peut-être me dire pourquoi il ne veut pas bouger. Mais impossible de le déplacer. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait parce que mes propulseurs là n'ont pas été construits? Ça veut dire que techniquement il n'est pas fini. Et ça veut dire que en théorie il ne devrait pas pouvoir bouger. Je sais pas. Mais moi ça me paraît bizarre quoi. Il veut pas bouger et je sais pas du tout pourquoi. On était si près du but quoi. J'espère que vous avez une solution. Me dire pourquoi ça fait ça. Parce que sinon je serais obligé de tout détruire. Tout détruire et recommencer pour voir si
Si c'est pas un problème que j'ai fait ou que j'ai mal fait, je sais pas. Mais Rebelote, ça va me prendre énormément de temps pour le reconstruire, pour le remodifier. À la rigueur, pour le remodifier, c'est pas très grave parce que je peux toujours le modifier en créatif et le reconstruire après tel qu'il est maintenant là. Je le modifie en créatif, je garde le plan et je le modifie, je le construis normalement ici. À la rigueur, je pourrais faire ça, mais c'est pareil, ça me prend énormément de temps. Bon, les ressources, je les ai vu que les ressources sont ici. Mais bon, ça me prendra énormément de temps à détruire le vaisseau. Et puis à le reconstruire, quoi. Donc, ça m'ennuie beaucoup. J'espère que vous savez pourquoi j'ai ce bug-là. Surtout, comment je peux régler ce bug. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, donc j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous. Allez, un peu plus.